Le Sili National a entamé ce mardi matin à Momedia au Maroc sa préparation en vue de ses matchs contre l'Éthiopie dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN qui aura lieu finalement en 2024 en Côte d'Ivoire. Dans le groupe de 20 joueurs présents à l'entraînement du jour, seul Serou Girassi, de retour d'une déchirure aux adducteurs en club, pas totalement remis, a eu une séance individuelle dont les photos ont été rendues officielles par les services de communication de la FediFoot. S'il continue à s'entraîner seul, tout porte à croire qu'il ne pourrait pas jouer les deux matchs ou du moins qu'il ne fera pas partie des deux 11 que Kaba Diawara alignera dans les matchs face à l'Éthiopie. Le reste de l'équipe s'est entraîné en groupe. Notons que le match aller Guinée-Éthiopie se tiendra le 24 mars au Maroc au stade de Mohamed V de Casablanca à 21h GMT. Le retour aura lieu le 27 mars au stade Moulay Abdallah de Rabat au Maroc toujours à 20h GMT.